Mais bonjour. On se retrouve pour du Horizon Forbidden West. On a terminé le jeu, on a terminé le DLC, maintenant on va faire les quêtes secondaires. Et les choses à récolter sur la map. Bah tiens, la musique vient de s'arrêter, c'est très bien. Encore une fois, un problème de Java. Ça c'est un truc de ouf. Hein. Ça arrête pas de crasher Java sur mon PC en ce moment. Ça me rend fou, hein. M'en fous. Bref, il n'y a plus de musique, c'est pas grave. Lançons le jeu. Jouer. 106 heures de jeu quand même. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Oh, j'ai pas pris la bonne scène. Oups. Attendez. Ah, la voilà la bonne scène. C'est la Java avec mon Java. On peut dire ça, ouais. Le problème, c'est que ça m'embête. Attends, j'entends pas le son du jeu. C'est bon. Ça m'embête parce que quand je veux travailler sur un modpack et que en une heure il me crache à la gueule 10 fois, bah j'avance pas. Donc je sais pas comment régler mon problème. J'ai essayé de désinstaller, réinstaller Java. Rien. Ça change rien. Donc pour moi c'est un problème de Windows 11. Windows c'est de la merde. Genre vraiment. Donc oui. Continue. Du coup merci Dr. Pi pour le 60e mois d'abonnement. Et salut tout le monde dans le chat. Alors là, oui, c'est vrai qu'on devait faire ça et qu'on avait récupéré un aile des lions. On va pouvoir y aller. Allons-y. Faisons ça. On dira. On va se TP, ça ira plus vite. Tony. Bon alors on cherche pas à rusher mais si je peux gagner du temps. Merci. Je serai du début d'une de ces trajectoires de vol. Je pourrais aller voir ça en volant. Allons-y. On sait comment ça se passe. Hein. Arrivé à la fin, on est censé essayer d'analyser pour voir l'image. Lillian Barnett, équipe de reconnaissance 21 Ouest. Aujourd'hui, notre unité a été envoyée prendre des nouvelles d'un bataillon qui défend le port. J'ai vu les numéros de la garde civile et j'en ai eu le souffle coupé. L'unité de Pacha était là-bas. Même de là où j'étais, on voyait bien que les bobos avaient envahi la zone. On devait rester en hauteur avec la dame, mais c'était clair qu'il restait personne. On l'a signalé dès notre arrivée. Mais ce soir-là, en sortant du bureau du commandant, j'ai aperçu la vidéo qu'ils allaient diffuser suite à notre rapport. Ça n'avait rien à voir. Victoire pérenne triomphe à Santa Monica. Ces ordures allaient cacher la vérité. Mon meilleur ami s'est jeté dans la gueule du loup et personne ne le saura jamais. Bon, on va avancer un peu. Ah voilà. Je refuse de les laisser faire. Les gens doivent connaître la vérité. C'est pas le cas. Je me demande ce qui s'est passé. Quelle question ça? Ah oui. Alors. On va explorer un maximum de choses. Donc là, il y a un feu de camp. Allez hop. On va l'activer.
Voilà, c'est activé. Ensuite, on va aller activer ce frappe défense inconnu. Yep. J'avais pas repéré une figurine à un moment. Je sais plus. Bon, je verrai bien. Le site de frappe défense. De frappe défense, pardon, est découvert. Il y a les ailes d'hydro. Faut qu'on dégage toute cette masse là. Oh là. Bien énervé lui. Les ailes d'hydro sont repérées. On va se diriger par là. Il y avait les ailes des lions ici. Il y a un abri par là-bas, on va aller le faire. Enfin, on va aller l'activer. Ok, à ça. Il y a toute la partie dans l'océan ici qui n'a pas été fait. Hein. On va se balader un peu dans l'océan pour voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je peux récupérer ça. Je vais lâcher le conteneur là-bas. Ah. Il est pas lâché. Ok, t'as décidé d'être chiant. Ok, je peux plus le prendre. Il est ouvert maintenant? Effectivement, il est ouvert. Ça, on l'a vu. J'ai l'impression qu'il y a grand chose dans l'eau. Hein. Ça va rien avoir. Hein. Oups. Ah non, le jeu va me dire fais demi-tour. La côte embrasée. Ah! C'est
je continue. Ah non. J'ai mal lu alors. Le dernier sauvegarde grâce sera rechargé. D'accord, ah ouais, d'accord. On va peut-être éviter alors. Je continue genre dans la vallée des défunts. Ouais, il me tue quoi. Là, c'est purement et simplement pour avoir la map dégagée. Hein. Non, je crois pas que c'est un nom de lieu. De toute façon, si je continue par là-bas, il y a absolument rien. Oh la vache, ouais, non, mais là. Je peux m'amuser à enlever tous les nuages en fait. Hein, parce que quand je me déplace, il en rajoute. On va arrêter de faire le kéké là. Ouais, regardez par là. Ouais, y a pas grand chose en vrai. Rien par là. On va regarder par ici. Une sorte de forêt là. Et d'autres herbes, il doit y avoir de la machine là-dedans. Même pas. Vraiment rien ici. Marrant ça. Il y avait rien. Ok. T'es nul, tu m'as loupé. C'est quand même vachement efficace. Ah,
derrière toi. Ok, bon. Il y a l'air d'avoir un hologramme ici, ouais. Mais c'est pas un truc où je peux trouver une figurine. Il y a rien là. Dans l'eau ici, il y a l'air de rien avoir. Il y a des feux de camp inconnus, on va aller par là-bas. Il y a un truc à prendre là. Direction là. Vers les deux points. J'espère qu'il va rester l'autre dans le coin. Ça a l'air. Bien, il y a toute cette zone là qui a pas été explorée, dont ça. On va aller voir ça. C'est quoi ça? Allez, vu le pivot. Ok, ok. J'ai aussi une quête secondaire qu'il faudrait que je récupère dans la ville. On va d'abord aller voir ici. Elle me pousse pas, toi. Attaquer avec ça en vrai. Personne n'a rien vu. Ouais, peut-être. Qu'est-ce qu'ils font ici? C'est sûr qu'il allait me faire tomber lui à un moment. Du matériel et sa rame. Ils vont peut-être laisser quelque chose d'utile.
chier lui, un coup il me prend, un coup il se pose. Voyons voir l'enregistrement alors. Protocole d'entrée pour accéder à AN01, on perturbait la livraison de l'extraction de munitions essentielles à l'opération Victoire. Données corrompues. Retour à un code d'entrée à simple facteur. Ok, code 1315. Intéressant. Ça peut aider. Cet ascenseur ne bougera pas. Ah. Il y a des données ici. Je sais pas si c'est l'altitude du dernier étage qui t'empêche de réfléchir, mais il y a une guerre. Les soldats ont des robots sur... Nanana, livraison ont été corrompues par des protocoles d'entrée. Ah, c'est bon ça. Ça nécessite un module de clé. Alors, voyons ce qu'on a en bas. Ah non, je remonte. Faut descendre. Oh. C'est-à-dire que je venais de là. Cette poussière à chaque fois là. Voilà. Je vais passer par ici, mais pour aller où ? Pour aller exactement au même endroit. Quelqu'un d'autre a déjà visité cette ruine. On dirait un campement au Céral. Et monsieur Gamou. Merci DZ Wisty pour le 30e mois Prime. Des
des wagons? C'est quoi cet endroit? Un levier là, ça fait quoi? Juste pour le dégager du coup. Ah, batterie. Ça peut me servir. Oh, je vais devoir l'amener cette batterie, tiens là. Le wagon devrait être alimenté. Ok. Le clé est ici. On dirait qu'il y a un ornement là-dedans. Comment faire pour l'atteindre? Le wagon ne me bloque plus le chemin. Ah bah non, ouais, c'est sûr que oui. C'est quoi ce bruit? Léo, hein? Y'a quelqu'un? What the fuck? Tiens bon, je vais trouver un moyen. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Mais merci, enfin j'imagine. What the fuck? Trouver un moyen de libérer l'inconnu. Bah de toute façon je veux... Je vais attendre patiemment votre retour. Cette voix me dit quelque chose. C'est vrai que sa voix me dit quelque chose aussi, en vrai. Eh ben voilà. Alors, ornements. Des bretzels, des saucisses, de la bière. J'ai l'ornement. Je devrais donner ça à Stémur la prochaine fois que je le vois. Ok, faut récupérer la batterie. Elle est pas tombée, non, elle est là. Lec. Oh la vache, la digestion, elle est en train de me faire dormir, c'est incroyable. Bon, j'arrive. Eh oh, mystérieux étranger. Encore une fois, la chance sourit au vieux... Hildun? Aloy! Ma Nora aux cheveux de feu, mon bras droit, ma sauveuse renversante! Qui aurait cru que nous nous reverrions dans les mêmes circonstances? Je me souviens plus de ce mec. Moi, en tout cas. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, eh bien, tout a commencé quand j'ai entendu une voix on ne peut plus étrange m'inviter à découvrir ce charmant endroit. Mais j'ai résisté. Je savais qu'il s'agissait d'un endroit spécial que je devais partager. Alors, je suis allé voir mon cher ami Olvar. Et où est-il? Hélas, nous avons été séparés par une impressionnante tempête sur le chemin du retour. J'ai été jeté par-dessus bord. J'ai pataugé dans les vagues, certain qu'un carapateur viendrait me gober. Mais non, la mer a rejeté le vieux Hildun sur le rivage. Olvar a continué son chemin avec eux. Je devais être mort. Ça se passe comme ça chez les ratisseurs. J'ai suivi ces traces aussi loin que possible. Et là, je suis tombé sur une porte condamnée. Naturellement, j'ai cherché d'autres moyens d'entrer. C'est là que j'ai découvert un levier antique. Et c'était impossible pour moi de résister à la tentation. Tu as tiré le levier. J'ai tiré le levier. Ce qui
semble avoir, après réflexion, refermé la porte derrière moi. Et voilà comment nous nous retrouvons, par le plus grand des hasards. C'est beau. Attends, il faut qu'on s'explique. Comment ça se fait que tu sois ici ? La dernière fois que je t'ai vu, t'étais au barrage au nord. Après ton départ, j'ai un peu vagabondé, découvert quelques ruines. J'ai même essayé un autre barrage pas loin de Cagnard. Mais rien n'arrivait à la cheville d'une autre. T'es parti du territoire Banouk et t'as atterri dans l'ouest prohibé ? Telle une braise dans le vent. On ne se refait pas. Et ensuite, j'ai croisé une expédition à destination de la côte embrasée. C'était l'occasion de me faire de nouveaux amis et de partir à l'aventure. Alors, je me suis joint à eux et nous voilà. Je sais pas comment t'as fait pour t'en sortir indemne, mais... contente de te voir, Gildun. Dis-moi un peu plus sur cet Olvar. Je me souviens plus du DLC du premier. Croyance s'est forgée sur le chemin vers ce littoral. Nuit après nuit, j'ai raconté mes aventures à mes compagnons de voyage. Olvar était fasciné. Il écoutait sans dire un mot. On s'est mis d'accord pour partager nos trouvailles. J'aurais dû voir sa tête quand je lui ai parlé de cet endroit. Rien ne vaut le plaisir d'un nouveau ratissage en bonne compagnie. Après mon passage par-dessus bord, je l'ai cherché partout. À force, je le pensais mort, mais j'ai trouvé son camp en haut. Il sera ravi comme un Karja en plein soleil d'apprendre que je suis pas mort. Sans aucun doute. Bon alors, si je comprends bien, tu penses qu'Olvar a réussi à s'enfoncer dans la ruine. Grâce à un petit tunnel bien pratique. Enfin, plus si pratique que ça maintenant qu'il est bloqué par des gravats. D'accord, alors, si on veut le trouver, il nous faut un moyen de passer la fameuse porte. Oui, Gildun, je vais t'aider à chercher Olvar. Et à faire en sorte d'éviter les pièges. Merveilleux. Comme au bon vieux temps. Rien ne nous arrêtera avec tes méthodes étonnantes et mon flair pour le grand frisson du danger. La porte est juste là. Après toi. Il est tellement heureux, le mec. Incroyable. Bienvenue dans mon humble refuge temporaire. C'est charmant. En effet, j'aurais adoré partager cette découverte avec Olvar. Malheureusement, j'ai chu dans l'océan lorsque les ruines sont apparues. Mais imagine ma joie quand j'ai découvert mes lanternes dans ce tunnel. Me croyant mort, Olvar en a fait bon usage. Quelle ingéniosité. Will ne lui arrive pas à la cheville, surtout après ce qui s'est passé hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé quoi hier soir ? Oh. Non ! Il est mort sur son solo de corps. Oh non, c'est dégueulasse ça. Oh la vache, oh, comment il a dû être dégoûté. Il a joué, il a perdu. Ah bah oui, en même temps, pour perdre, il faut d'abord jouer. Hein. Ah la vache, et voilà donc c'est con. Notre entrave à charnière. Le point d'orgue de notre visite. Complètement bloqué. Ce n'est pas mon premier obstacle infranchissable. Faut pas regarder en l'air. Okay.
peux pas te parler? Non, je peux pas te parler. Comment tu fais du coup? Il va nous falloir un code d'accès pour passer. Un code d'accès? Bien sûr! Et qu'est-ce que c'est? Une série de chiffres. Fouillons un peu. Alors là... Si j'étais un code d'accès, où je me cacherais? On va peut-être me trouver quelque part. J'aimerais bien si je pouvais passer là, en fait. On peut pas passer là. Il voulait se faire une ferme à raid, mais de toute évidence, c'était pas le meilleur modèle. Les évocateurs le voyaient, lui ont envoyé les Vex. Ils l'ont défoncé dans un tunnel en un par deux. Ah ouais, c'était dead. On pourrait dead, ouais. Essayer de revenir sur nos pas. Quelle idée astucieuse. Ouais, les fermes à raid, c'est hardcore. Hein. Levier. Ah bah tiens là. Donne-moi le code. Alors, t'as entendu mon appel, tu seras bientôt en sécurité. Ouais, de toute façon, c'est, il est marqué 17 janvier. 17 janvier. Quelque chose ? Sûrement ça, on va pas tout lire. Il y a un code d'accès laissé ici par un ancien. Il était seul ici. Il a diffusé cet enregistrement dans l'espoir que d'autres le rejoignent. Devrions-nous essayer ce code d'accès ? J'ai tellement hâte que tu rencontres Olvar. Ah, c'est pas le bon. Enfin ! De la pierre fria, une odeur de poésie. Le paradis du racisme. On dirait que quelqu'un a essayé d'entrer de force de l'autre côté. Olvar n'a jamais été avare avec la pâte explosive. Ok. Donc là, il va y avoir des machines, hein. Là, on peut rien faire là-dedans. Les anciens ont dû prendre plaisir à passer du temps sous terre pour creuser ces tunnels. C'était sûrement de grands. On pourrait peut-être déplacer ce wagon. Comment je lui coupe la parole? Tu peux venir m'aider? Avec grand plaisir! Bon, on pousse! Les choix du transport! Plus de bruit? Vraiment pas rassurant, hein. Oui, le fil de gravat porte la patte d'Olvar. Le passage est bloqué ici. On va devoir trouver un autre accès. Regarde, regarde. Dragon Light. Ce panneau de contrôle est fichu. Quoi qu'il en soit, il va falloir monter. Il va falloir que je ramène la caisse ici pour grimper là. Je dois retenir.
Le nombre de ratissins que votre caisse m'a sauvé la vie. Manquez de vous broyer. Ok. La porte est fermée. Accroche-toi, je vais jeter un œil. Tout ratissage digne de ce nom comporte son lot de défis. Ça s'accroche pas, hein. En vrai, même si Roy est déçu, cette porte tombe pile quand il faut. C'était à 20h27, donc juste à la fin de son live. Ça va lui permettre de relancer une partie en 1.21 lundi prochain. Ah ouais, c'est pas bête, ouais. Ce wagon bloque le passage. Au final. Moyen de le contourner. Après, c'est vrai que. Continuer son petit monde hardcore en 1.21, ça aurait été cool aussi, mais. Y a peut-être un moyen plus. Stable. Enfin bon. C'est les joies de jouer un hardcore, hein. Je trouverais peut-être quelque chose dans cette aération. Ah, il voulait relancer directement. Ah, donc finalement, Wave, ça tombe plutôt très bien, quoi. J'ai besoin de toi pour un autre wagon, Gildoun. Je vais te trouver un moyen de passer. Je suis à ton service. On va aller trouver un moyen. Moi, ça me fait penser que c'est demain, là, 21. Je vois que tu n'as pas perdu ta passion pour les traversées périlleuses. Oh, oh. Ça vient, bien sûr. Ok. Nice. 27 bords d'éclat, hein. Va vraiment falloir que je m'en serve. J'en ai encore là en plus. Notre ami du passé nous a laissé un autre code. 1247. J'en ai pas l'impression. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait bouger l'ascenseur. Gildoun, grimpe, vite! Allez, viens là. Plus ou moins. Quel incroyable pétanque. On commence à pousser. Attends que j'arrive, ouais. Que je peux au moins y retourner par ici. Ouais, je peux y retourner, ok. Forge.
t'as plus ce son, hein. S'il faut repasser par là. Oh. Ici, c'est un module de clé qu'il nous faut, ok. Le fait de l'avoir bougé ce wagon, ça me permet quoi? Je peux peut-être utiliser ce wagon pour aller là-haut. Il faut d'abord que je trouve un moyen de monter dessus. Ah ouais, c'est ça le truc. Ah! Non mais attends. Je peux pas déplacer le cube ici. Intérieur peut-être. Non, il y a rien de l'intérieur. Si seulement nous avions la chance de trouver une autre caisse de métal, on pourrait aussi apporter celle qu'on avait à l'étage. Ah oui, c'est ce que je voulais faire, mais comment je fais pour remonter après moi? Est-ce que le mec va déplacer la caisse? Cet ascenseur pourrait m'aider à monter la caisse. Je sais. Bah yes. De l'ascenseur? Tu veux dire en grimpant? Bien sûr. Alors, comment t'en es venu à coopérer avec Olvar? On a voyagé avec une caravane. Au début, oh, c'est aussi simple que ça. Un peu acariâtre. Jusqu'à ce que... Oh, je lui parle de maman, de son miroir inestimable, modèle identique que j'avais trouvé. Il s'est intéressé à ton miroir? Il a l'esprit avide de savoir. Vous vous entendriez comme charbon dans le fourneau. Ah, je ne suis pas trop rouillé. Bon, actionnons. Prêt. Parfait. Nanana, le même bouton, mais en face.
de clé. Oh là. On va récupérer un autre comme ça. Ok. C'est quoi? Regarde cette arme. À côté de moi là. Bon, je crois que je les ai tous eus. Il y en avait beaucoup, hein. On continue. Encore un peu plus près dans le bar. Ok, bon maintenant je remonte comment? Tiens. Comment remonter, bonhomme? Fais-moi monter, Gildoun! Oui, chef! Merci. Ça, c'est du respect. C'est combien? 1282. C'est pas le bon. Merde, c'était 1200 quelque chose. Attends, je regarde. Point de données. Ça, c'est le truc de Londra, on s'en fout. Cliff scanné, on s'en fout. Alors. Ouais, je l'ai passé. Burning Shore, données holographiques, on s'en fiche. Audio, c'est pareil. Quête annexe. De papier. Un ami dans la pénombre.
Panic Shore Monde. Peut-être là-dedans, hein. Écran majuscule, on devrait le retrouver facilement. Ah voilà, 247. Ah c'était ça. On y est. Holvar doit se demander ce qui a fait tout ce rapu. Et encore du blabla. T'as trouvé quelque chose? Ces données, c'est pas le soldat qui les a écrites, mais son ami. Je savais qu'il trouverait quelqu'un. Ah. On dirait que notre ami a trouvé quelqu'un. Aucun signe d'Alba. Continuons de chercher. Je crois que j'ai un peu trop abusé du pécari à la pierre pour me faufiler là-dedans. Tu diras ce que tu trouveras. Sûrement, Alba. Je veux qu'il s'est barricadé ici, mais la machine a pu entrer. 3. Il est là depuis un moment. Ces explosifs ont dû attirer les tunneliers. Mm-hmm. Et ça, il a volé le miroir de Gildum. Sûrement quand il l'a poussé. Ouais, Colvar, c'est pas une personne. Ah, aucune idée. Je m'en souviens plus. Miroir de Gildum. Une ratisseuse incomparable, je dois l'admettre. Alors, dis-moi tout. Tout. Fin de l'histoire. Merci. On se retrouve demain à 14h pour la suite. Allez, bye. Alors, des signes de mon partenaire invisible? Gildun, Holvar n'a pas survécu. Les machines l'ont eu. Et j'ai trouvé ça dans sa main. Et c'est le miroir, mais... Mais comment? Ça risque d'être difficile à entendre, mais... Je crois qu'il... Ça lui tenait à cœur. Il savait qu'il comptait pour moi. C'est pour ça qu'il l'a gardé. Jusqu'au bout, j'étais dans ses pensées. Je comprends pas. S'accrocher à cette croyance... Franchement, Gildun, t'as sûrement pas tort. C'est bien de garder cette image de lui. Au moins maintenant, tu sais ce qui lui est arrivé. Ouais. Tu as raison. Puis partir en ratissant, c'est une belle mort après tout. Et allez, c'était bien ma chance. Jusqu'en... Quand je pensais avoir enfin trouvé un ami. C'est comme ça, je n'y peux rien, j'imagine. Je devrais pourtant y être habitué. À vrai dire, j'ai jamais eu de véritable ami. Franchement, ma propre mère en a rapidement eu marre de moi. J'aurais dû m'en douter. Je commence à penser qu'il n'y a pas de raison que ça change. Peu importe ce que je fais, ce que je dis. Toute ma vie, je vais rester inexorablement tout seul. Hé, hey, c'est pas vrai. Tu pourras toujours compter sur moi. Je pourrais pas toujours être là. Mais on peut rester en contact tous les deux. Avec ça. Une de tes curiosités ? Ça s'appelle un focus. Tiens, ça se met comme ça. Je te montre. Wow.
étrange. Regarde ça. Et ça. Et là aussi. Oh, c'est incroyable. Je ne sais pas ce que tout ça signifie, mais c'est vraiment superbe. Je vais te mettre en relation avec des amis à moi. Ils t'expliqueront comment utiliser le focus. Et je pensais ce que je t'ai dit. Si tu as besoin de moi, appelle-moi. Je tiens à mes amis. Moi aussi, j'ai quelque chose à t'offrir. Avant que tu mettes les voiles. À mon avis, ça te sera plus utile qu'à moi. Merci, Gildun. Nous nous reverrons. Dans le DLC du 3. Dernière querelle obtenue. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Lance-pic. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Ok, niveau 69, c'est parfait. Et j'ai 6 points de compétence. Et là, on va terminer de mettre celui-ci à 3. Maintenant, ça va être 10, 20, 30, 40 points de compétence au total qui me manquent pour tout compléter. Donc il m'en manque un petit peu. Nice. Ika, merci pour ton raid. J'espère que ton stream s'est bien passé. On est en train de faire... comment on appelle ça? On fait du papillonnage. Sur Horizon Forbidden West, puisqu'on a terminé le jeu. Pas du papillonnage. On essaie de faire à 100% le bousin, quoi. Hey Gaïa, j'ai donné un focus à un ami à moi. Tu peux faire en sorte de l'ajouter à notre réseau? Et prendre ses nouvelles de temps en temps. Il a besoin d'une amie. Certainement. Je serai heureuse de converser à sa convenance. Bonjour. Est-ce que... ça fonctionne? Le boulet. Continuons notre conversation sur une autre fréquence. Oh, qui est-ce? Attendez, je sais. Une amie d'une certaine Nora aux cheveux de feu. Par la forge, ça va être merveilleux. Sans aucun doute. Merci, Gaïa. Je suis paumé. Je sais plus par où je viens. Ah, je crois bien. Mais non, j'y viens. Eh, tu sais quoi? On va se TP, hein. On va se TP, ça ira bien plus vite. Retournons. Où elle est là? Alors. Nice. Faut que je me fasse des batracides. C'est la bonne idée ça. Ah.
Bah oui. Calmer, hein. Relou. Bon, je vois rien. J'adore. Quand je vois rien comme ça, c'est un... machine en moins. Eh ben. Ouais, je sais pas si j'en ai chopé, hein. La douleur s'estompe. Mais de rien, c'est un raid de qualité, hein. 75 personnes, mais pas un pélouse qui dit bonjour dans le chat. Je crois que Ika les a tous endormis. Oui, mais tu comptes pas? T'étais déjà là? Après, bon, c'est vrai que je joue pas à Minecraft. Oh. Oh, mais elle est énervée, hein. Bon, bah, j'ai pas eu ce que je voulais, tant pis. Un meuble de la chaîne, bah d'accord. Un meuble du poil. Ah mais je veux le découvrir lui. Je descends me dégourdir les jambes. Non, on descend pas pour se dégourdir les jambes, nanana. On remonte, on a découvert tous les sites nécessaires ici. Toute cette partie là qui a pas été faite.
Oh ouais, on va retourner là. On est où là? On est là. Autant faire les choses ici qu'on peut être explo. Et ensuite retourner là-bas chercher la quête. Abri trouvé. Bon, on a tout trouvé, on peut y aller. J'ai mes cousins. Quel d'orage. Effectivement là. Découvert. Le site de Vulpivol. Là. Ouais, c'est des gens qui font en l'air qu'en règle générale. Ouais, tu me diras, c'est comme ici, hein. Souvent, les gens ils mettent ça, ils mettent les streams en fond. Ils font autre chose en même temps. Péter la gueule à lui. Ouais. What? C'est quoi qui m'a tapé? Je dis pas que c'est mon piaf qui m'a fait tomber. Ah non, c'est ça l'objet. Yeah.
faire un coup critique à cause de toi là. Non mais c'est une blague là, un moment. Eh bah purée. Pas terrible, hein. Qu'est-ce qu'il me fallait? Ah mais je les ai fait péter ces poches, hein. Comme le premier aussi. Allez. C'est un délire. Fouille. Machine. Il y en avait trois. C'est quoi, on va se diriger par là-bas? Ouais, j'ai vu que j'avais toujours rien malheureusement. Il y a quelque chose dans l'eau. Non. Oui, Théo.
donnera d'autres instructions quand nous serons au Delta. Théoa, Okomo, je vois que tu es libre. Tu as été blanchi pour ce qui est arrivé à l'expédition d'Enki. Jusqu'à ce que mon procès dans le Grand Delta ait lieu. L'amiral dit qu'il ferait son possible, mais je serai sûrement condamné à la prison. Ce n'est pas grave. Au moins, j'ai la chance d'être encore en vie. Et en attendant, je peux toujours servir la cause. Certains des plus virulents opposants de l'Empire sont enfermés. Ils ne veulent pas en faire des martyrs. Un ancien amiral, la fille du gouverneur, même un empereur royal. Ça fait longtemps qu'on s'efforce de trouver un moyen de les approcher. Et avec de nouveaux alliés, armés de focus et du savoir de l'héritage, qui sait ? On pourrait bien ébranler l'Empire. Un long chemin vous attend, tous les deux. Bonne chance. Merci, Aloy. Grâce à toi, j'ai choisi d'œuvrer pour le bien, finalement. Pour Enki. Et pour les Gwen. Bon, si tu veux, Al, mais faudra sûrement effectivement avoir la poche explosée, puis avoir la chance de le dropper. Voir, c'est la poche de Batracide. Vu que l'item que je dois récupérer, c'est une poche de Batracide, c'est forcément la poche de Batracide que je dois récupérer. Donc il y a rien à savoir, c'est tout vu en fait. Je t'en prie, j'ai besoin de ton aide. Je sais pas si tu te souviens de moi. De la salle de l'ascension. Oui. Tu n'étais pas d'accord avec le message de Landra. Oui. Et depuis, ça n'a fait qu'empirer. Après ton départ. Tout a sombré dans le chaos. La plupart d'entre nous ont décidé de revenir ici avec des bateaux. Mais Pyrrhic, un homme de main de Walter, s'est pointé. Lui et ses hommes ont essayé de nous regrouper. Ils ont pris mon ami Lan, et je n'ai rien pu faire pour les en empêcher. S'il te plaît, tu veux bien le chercher. L'amiral n'a pas assez d'hommes disponibles pour lancer des recherches. Si je me souviens bien, Lan semblait plutôt convaincu par le discours de Landra. L'expédition a été dure pour Lan. Pendant la tempête, il a failli se noyer, et après qu'on se soit échoué, il est tombé malade. Il a passé des semaines alité, il avait du mal à bouger, il peinait à respirer. Je pense que Walter lui offrait ce dont il estimait avoir besoin. Des vivres, le confort, le salut. Ce n'était qu'illusion. Pendant un temps, on y a cru. Après mon départ du bunker, qu'est-ce qui s'est passé ? On a sombré dans le chaos. Tu as tué Zed et c'était le seul qui était en contact avec Walter. Quand Brennick nous a expliqué que Walter en avait fini avec nous, on a perdu nos repères. Certains d'entre nous se sont rués vers les bateaux, estimant que la seule issue était de revenir ici. Puis Pyrrhic et ses hommes sont arrivés et se sont mis à nous regrouper. Avant que je puisse réagir, ils avaient pris Lan. J'aurais pas dû le laisser. Mais Pyrrhic et ses hommes étaient furieux, violents. Tu as eu raison de partir. Ça n'aurait pas aidé Lan qu'il t'arrive du mal. Peut-être. Si tu veux. Pas logique ce que tu dis, Aesuna. Tous les Batracides que j'ai vaincus, je leur ai tous, sans exception, explosé les poches. Et j'en ai quand même récupéré. Où est-ce que tu as vu Lan ? Près de la rive, au sud du bunker. J'étais à bord du dernier bateau. Pyrrhic et ses hommes ont chargé quand on levait l'ancre. On a failli y rester. Je sais pas ce qu'ils ont fait à ce pauvre Lan. Trouve-le. Je t'en conjure. Je ferai de mon mieux. Alors, je devrais commencer à chercher près de la rive, au sud du bunker de Landra.
Doit être là qu'Otosu a vu là l'an dernier. Tout le monde ne s'en est pas sorti. Je devrais aller voir ce corps de plus près. D'après Otosu, un certain Pyrrhic et son escouade ont rassemblé le reste des Kuen. Celui-ci n'a pas dû se laisser faire. Je dois trouver où ils sont allés. Mon focus peut m'aider. Une sorte d'hôtel dédié à Londra. Les larbins de Pyrrhic ont dû laisser ça là pour montrer leur dévotion. On dirait que Pyrrhic a ordonné l'évacuation vers un camp. Il a laissé des indications pour les retardataires. À l'ouest, à travers les dents de la mer, et au-delà de l'endroit où le serpent d'acier géant brise les vagues. Je devrais peut-être chercher depuis les airs. Les Kuen chargeaient des provisions. Ils ont dû paniquer quand Pyrrhic est arrivé. Oui, là-bas. Des ruines accidentées sous l'eau. Peut-être les dents de la mer dont parlait Pyrrhic. Maintenant, le serpent d'acier géant. Un rail qui sort de l'eau ressemble un peu à un serpent. C'est peut-être le repère dont parlait Pyrrhic dans sa tête. Bon, je continue au sud de cette ruine. Voyons. Vers le lever du soleil. Ouais, ça on l'a fait. L'accueil ne sera pas chaleureux. Je devrais rester prudente. Elle me parle. Ah bah super. Ok, bon. Huh?
Je vais commencer par là. Mes flèches sont ma vengeance! Ça. Oh, elle est con. Et encore pour Londra. Je pense qu'on a eu tout le monde. Je vais faire une petite pause, je reviens vite fait.
Oh, désolé. Bon, j'espère que ça va aller. Comme dit, je suis malade là, ça y est. Si ça va mieux, tant mieux. Si ça va pas mieux, on arrêtera le stream. On ira quand même. Enfin, on termine d'abord ça. Hein. Libérer les prisonniers, trouver l'âne. Ok, donc là, on a tout fait. Libérons les prisonniers. Tu es l'étrangère qui a tué Zette. Tu vas nous débarrasser de Pyrrhic aussi? Parce que si c'est ça, je veux bien t'aider. Il a également tué mon ami. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas l'âne, si? Non. Arthor. Il a résisté quand Pyrrhic nous a regroupés et cette brute en a fait un exemple. On était censé découvrir l'incroyable nouveau monde de Walter. Quel ramassis de conneries. Laisse-moi seulement la chance, et je lui ferai mordre la poussière. Une minute. Est-ce que tous les prisonniers sont libérés? Seulement ceux d'ici. Il en reste au sous-sol avec Pyrrhic. Tu y trouveras sûrement l'âne, si c'est celui que tu cherches. Vas-y. Je te couvre. Ok. Donc il y a du monde par là. Une idée d'où ils gardent les prisonniers? Les quartiers des ouvriers étaient presque des cellules. Sûrement là-bas. Une fois à l'intérieur, j'essaierai de les libérer. Ils devraient être juste après cette porte. Quelqu'un doit maintenir la porte ouverte. Fais-moi entrer et je la tiendrai pour toi. Je l'ouvre. Je lui ai lâché la porte alors que j'aurais sûrement dû la garder ouverte. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Moi depuis hier j'ai la gorge prise et cette nuit j'ai super mal dormi, mais depuis camarade, que j'ai pris mon grand bol de lait bien chaud, la cannelle et une grande cuillère de miel, ce matin ça va mieux. C'est l'heure de la vengeance. Non, moi je fais une indigestion alimentaire. Du coup là, je vous donne pas de détails, mais j'ai failli rendre, on va dire, pour parler poliment. Bah à mon avis, vu comment le... Leurs armes se retournent contre eux. Comment j'ai mal au bide, c'est sûrement ce qui va se passer. Hein. Dead. Tu vas le payer. Tellement vénère les gars. Oh mais arrête de bouger. Voilà. Mais c'est bon, il est mort, il est mort. La max, hein. On dirait qu'ils sont des renforts. Ouais. Voyons.
sont nombreux, hein. Je peux viser, c'est officiel. On arrivera à entrer. Eh ben. Module de clé. Ah. Module de clé. Peut-être pour accéder au quartier public. Ce sera dans ma réserve quand j'en aurai besoin. Sacrée bataille. Ici. Quelques loot en bas, mais ça devrait aller en vrai. Et voilà. Vide. Il a dû prendre la fuite avec les derniers prisonniers. On le trouve. Là aussi, j'espère. Je vais chercher des traces. Là. Allons-y. Les autres doivent soigner leurs blessures. Bon, ça va, il n'y a qu'un seul chemin possible. Qu'est-ce que tu sais sur Pyrrhic ? Il supervisait les fouilles. N'hésitez pas à se montrer violent. Ses gardes, mes anciens camarades, ils disparaissaient et revenaient changer. Ils avaient les yeux vides, comme des machines. Et ils exécutaient les ordres sans sourciller. C'est pas bon. Et ils sont passés dehors. Thank you.
Ah oui. Dead. Reste à trouver l'âne et les prisonniers. Pièce de canon électrique. Un équipement spécial, ouais. Une pièce d'arme zénith intacte. Peut-être utilisée pour améliorer le gantelet de spectre. Oh. Oh. Je vais pouvoir améliorer mon arme de zénith avec ça. Ah bah, viens de le dire. Nice. Péric est mort. Et maintenant? C'est fini. Tout va bien. Tout va bien? Tu as tué mon seul lien avec Walter. Il vous a libéré. De quoi? Du paradis éternel? Je rêvais de rejoindre l'ascension. Je vois. T'étais pas là par obligation. Otosu m'envoie. Otosu ne comprend pas. Personne ne le peut. Un ancêtre vivant nous a offert le salut. Et l'un après l'autre, tu as tué ces messagers. Je suis désolée de te l'apprendre, mais Walter est mort. Et pour le paradis, il a jamais existé. Il comptait vous abandonner. Et tous nous décimer au passage. Non. C'est impossible. Je refuse de le croire. Si ça tenait qu'à moi, je le laisserais. L'âne. Tu n'es pas en sécurité. Tu dois revenir au campement. Otosu est très inquiet pour toi. Tu n'as pas envie de le retrouver? Si, sûrement. Et puis bon, j'ai pas vraiment le choix. Je vais ramener tout le monde en lieu sûr. Même cet ingrat. Il n'apprécie peut-être pas ce que tu as fait. Mais nous, on te remercie. Je devrais m'assurer qu'ils ont bien réussi à atteindre. Il faudrait aussi que j'aille voir où tout Alors. Ok. Donc là, l'idée, c'est de retourner là-bas. Ah, elle fonce, elle fonce. Il faut que je regarde dans toute la zone. On va tourner à la fin de la flotte. Que je suis là, je devrais m'arrêter à... améliorer mon arme de zénith. C'est pas bête ça. Étrangère. Alors. Oh, c'est joli, Dion. Fabriqué. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux améliorer ça. Ouh, dernier tir. C'est beau. Attends, on va faire ça. Regarde ta tenue.
Non, attendez, on peut pas encore. Si tu veux. Alors, veuillez de débloquer le mode canon électrique du gantelet de spectre. Vous pouvez effectuer un tuir chargé redoutable, capable de transpercer les ennemis. Maintenez RT pour charger l'arme, relâchez RT lorsqu'elle est complètement chargée. On a littéralement récupéré le canon de charge là. Enfin, le rayon de charge, pardon. Lorsqu'elle est complètement chargée, si vous la chargez trop, elle surchauffera temporairement. Ok. Astuce, vous infligerez des dégâts supplémentaires en faisant exploser un marqueur de cible avec un tir de canon électrique chargé. Okay. Comparer. En vrai, ça peut être pas mal. Parce que c'est électrique aussi. Et l'autre qui fait électrique, poison, feu, je crois que j'ai déjà du feu ailleurs. Bah, j'ai du feu là. Je peux la changer cette arme là. Vas-y. Ouais, c'est là. Hein. Ouais. Acheter, équiper. Clac. Ça, c'est l'arc de précision. Ouais, c'est quand même bien, beau, bien plus puissant. Les upgrades. Ça a l'air. Ouais, ça y est, enfin full orange. Oh bah, je peux pas aller plus loin. Elle est chouette, hein. Ah, celle-ci. L'acheter, ça ira bien. C'est d'abord des claques qu'il nous faudra.
Pas mal celle-là aussi. Hein. Peut-être temps de vendre tes objets comme des lingots ou autres. Et si je veux les garder les objets, comment ça se passe? Comment qu'on fait? Ouais, du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le 100%? C'est l'histoire d'un pingouin assis qui respirait par les pieds. Un jour, il s'est mis debout. Que lui est-il arrivé? Rien, car il avait des Geox, la chaussure qui respire. Merci Miscellany pour le 55e mois d'abonnement. J'espère que tu vas bien. Alors... Anniversaire du petit il y a deux jours. Ouais, j'ai cru voir sur Insta la photo des 1 an. Moi, je suis malade. Toujours déprimé. Toujours une vie formidable. C'est la saison. Voilà, moi, c'est surtout une intoxication alimentaire que j'ai fait là. Nous le créerons nous. Aloy, merci. Non, j'aime pas ça. Mais il faut que je te prévienne. On a compté, et certains des hommes de Zeth et de Pyrrhic manquent à l'appel. Ils sont encore dans la nature. Il se cache probablement dans les excavations de Walter, comme Pyrrhic l'a fait. Fais attention. Ils voudront te faire la peau. D'accord. Bon, je vais devoir partir à la chasse. Comment vont Lan et Otosu? Tu n'as fourni aucune preuve tangible. Rien n'empêche Walter de revenir. S'il le voulait vraiment, il serait déjà revenu, non? Donne-moi une minute. D'accord? Tu n'as pas été tout à fait honnête. Je sais. J'avais peur que tu me tournes le dos en apprenant que Lan avait suivi Pyrrhic de son plein gré. Tes intentions étaient peut-être bonnes, mais tu m'as manipulé. Et c'est comme ça qu'agit Londra. Je suis désolé. J'aimerais me rattraper. Alors veille bien sur Lan. Et sur tous les autres. J'imagine qu'il n'est pas le seul à encore croire les mensonges de Londra. Tu as bien raison. Certains sont encore dans le déni. Et une fois que nos camarades, ceux qu'on a laissés à Walter, ont réalisé qu'ils avaient été abandonnés...
Disons que l'accueil a été plutôt froid. Alors vous avez beaucoup de travail. Il faut réparer les dégâts. Ça ne sera pas facile. Je peux me centrer, Dra. Tu penses qu'il s'en remettra un jour ? Oui. Il veut se sentir aimé. Aimé pour de vrai, c'est tout. Tu y parviendras. J'en suis sûre. Et j'ai 5 points de compétence qu'on va pouvoir dépenser là-dedans. Ouais, faut jouer les figurines. Pour le coup, je sais pas du tout, Miscellany. J'étais même pas au courant de ce jeu-là. La seule chose que j'ai retenue, c'est le Doom. J'ai dû la récupérer, la figurine, parce qu'il n'y a plus le marqueur. Ah, le nouveau Doom, ouais, carrément. Ça va être facile, mais j'espère qu'ils pourront arranger les choses. Clairement, quand j'ai vu le trailer, j'ai eu envie de relancer Doom Eternal. J'ai envie d'aller regarder en bas. Je vais pas explorer par ici. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui en vrai. Je continuerai demain à 14h si tout va bien. Si je donne pas de news ce soir, c'est qu'il y aura un stream. Sinon, je vous tiendrai au courant s'il y en aura un ou pas ce soir. Du coup, je vous laisse une bonne fin d'après-midi. Peut-être à ce soir.